Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer des thèmes dans ton cours. Donc, tu vas aller dans l'onglet Travaux pour commencer, puis tu vas cliquer sur Créer et sélectionner Thème dans le bas de la liste déroulante. Donc, on te demande d'ajouter ton premier thème. Donc, si tu es dans un groupe primaire, tu iras probablement créer un thème selon les diverses matières que tu enseignes à tes élèves. Donc, par exemple, je voudrais peut-être créer un thème mathématique. Donc, par exemple, ici, je vais inscrire mathématiques. Mais pour ce faire, je vais utiliser ce site qui me permet de faire afficher mon texte d'une façon un peu plus originale. Donc, ici, j'ai écrit mathématiques à gauche et ça m'offre plein de façons d'afficher le mot mathématiques pour mon thème. Donc, je vais choisir une des options qui m'est proposée ici. Donc, par exemple, je pourrais choisir cette option. Je vais copier. Et ici, je vais coller. Donc, on voit que mon mathématique s'est inscrit de la même façon que j'avais l'aperçu sur le site en question et je fais ajouter. Je vous rappelle que je vous suggère au primaire de créer un thème par matière, donc je vais créer maintenant le thème français. Si je suis au secondaire et que j'enseigne par exemple les mathématiques, donc je vais toujours dans Travaux et devoirs, je vais aller sur Créer, thème. Cette fois-ci, je vais peut-être utiliser les chapitres ou les divers thèmes que j'enseigne. Donc, par exemple, je pourrais choisir d'inscrire géométrie. Voilà, c'était comment créer des thèmes dans votre cours.